On le sait, les voitures essence et diesel contribuent à la pollution de l'air et au réchauffement climatique. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est qu'en 2050, il ne faudra plus aucun véhicule diesel ou essence en circulation. C'est la condition si l'on veut stopper les émissions de gaz à effet de serre. Alors quelles sont les alternatives? Et surtout, où en sommes-nous? C'est parti pour un tour de piste des solutions. Avec un bilan carbone 2 à 3 fois moindre, l'électrique fait partie de la solution. Mais à trois conditions. Premièrement, elles sont adaptées au trajet du quotidien, en zone dense comme à la campagne, pour parcourir jusqu'à 300 km, voire plus. Deuxièmement, la voiture électrique est faite pour être partagée. Cela permet d'optimiser la batterie, dont on sait que la fabrication est encore trop polluante. Et ça permet d'optimiser également les coûts, car le prix au kilomètre parcouru est relativement faible. Troisièmement, et enfin, dès que c'est possible, il faut opter pour un fournisseur d'électricité renouvelable. Leurs batteries sont plus petites que les électriques, donc moins impactantes pour l'environnement. Et si elles sont bien utilisées, elles peuvent répondre aux besoins du quotidien. Là où ça coince, c'est que seul un conducteur d'hybride sur quatre fait l'effort de recharger sa batterie. La plupart du temps, il roule donc à l'essence ou au diesel. Et pour peu que ce soit un SUV, l'option green se transforme vite en aberration écologique. Produit à partir de la fermentation de déchets, agricoles, ménagers, organiques, le biogaz a l'avantage d'être le seul biocarburant qui ne concurrence pas l'alimentation. Et si le biogaz se développe aujourd'hui essentiellement pour les camions, les bus, les navires, il pourrait bien faire rouler nos voitures d'ici quelques années. Les voitures à hydrogène ne rejettent que de l'eau. Elles se rechargent en quelques minutes et elles bénéficient d'une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres. Mais le réseau de distribution est peu développé. Et surtout, la fabrication de l'hydrogène se fait aujourd'hui essentiellement à partir de ressources fossiles, à savoir du gaz. D'ici 2030, la production d'hydrogène pourrait se faire en utilisant les énergies renouvelables et cette énergie pourrait bien devenir une solution privilégiée. Vous l'avez compris, c'est un grand chamboulement qui nous attend. Mais des solutions sont déjà là, elles se développent et elles nous mèneront à considérer la voiture autrement.